Aujourd'hui, je vous emmène au Marcy Salon. Alors, il y a deux façons de s'y rendre. Soit vous descendez sur la ligne 4 métro Château d'Eau, sortie principale, après c'est toujours tout droit. Arrivé à l'angle de la rue, vous allez traverser au passage piéton et vous allez vous retrouver en face de la rue Gustave Goublier. Autre itinéraire, vous descendez sur la ligne 4 ou la ligne 8 à l'arrêt Strasbourg-Saint-Denis. Vous prenez la sortie 1 boulevard Sébastopol. Escalier de gauche et vous allez tomber devant le McDonald's. Voilà, vous traversez la rue en face du KFC. Et vous traversez la rue une nouvelle fois, vous tombez en face de la Société Générale et vous longez toujours tout droit. Vous allez vous retrouver pareil à l'angle de la rue Gustave Goublier. On s'arrête un instant. Admirons ce beau jour, comme il fait beau sur Paris aujourd'hui. Regardez-moi ce ciel bleu. Et vous prenez la rue Gustave Goublier et ce sera au numéro 5. Donc c'est un salon de beauté qui fait coiffure et esthétique. Hello les hairlovers, alors on se retrouve aujourd'hui en direct du Marcy Salon avec Marceline la responsable. Bonjour. J'ai décidé de faire cette vidéo pour vous présenter ce salon qui mérite d'être connu. Une très belle adresse dans Paris, 10e, métro Château d'Eau, Strasbourg-Saint-Denis. Mais ne vous fiez pas à l'adresse parce que vraiment, vous venez ici, vous verrez que c'est le dépaysement total par rapport aux autres salons qu'on connaît, entre guillemets. Voilà, je laisse Marceline se présenter et vous faire découvrir son salon, son univers. Je m'appelle Marceline, je suis esthéticienne de formation. J'ai créé en fait un environnement pour que des femmes, voire même des hommes, parce qu'on a des femmes, des hommes et des enfants qui viennent accompagnés de leurs parents, puissent avoir en fait un endroit cosy, calme, propre à Château d'Eau. Dans ce salon, vous avez en fait l'espace coiffure, vous avez la partie esthétique dont je m'occupe, donc tout ce qui est soin du visage, tout ce qui est épilation corps, épilation visage, manucure, beauté des pieds, et j'en passe. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pourquoi j'ai eu cette idée de tout regrouper? Parce que j'avais ma petite sœur, parce qu'on a toujours des petites histoires comme ça, des anecdotes. Donc j'avais ma petite sœur qui adore sortir, qui aime la fête et tout. Et je voyais qu'à chaque fois qu'elle sortait, elle devait courir sur les champs faire les cheveux, ensuite elle devait courir à tel endroit pour faire les ongles, après elle devait courir à tel endroit pour se maquiller, on a aussi un peu le maquillage. Et donc je me suis dit, ce serait tellement bien de réunir en fait tout au même endroit, y compris même les soins du visage, avoir une cabine pour celles qui veulent aussi sortir, parce qu'on peut sortir le soir, se faire les cheveux, se faire un soin de peau, un soin de visage, se faire une manucure, une beauté des pieds en été et puis sortir en ayant tout fait. Donc d'où le concept de Marcy Salon. Quand vous arrivez au Marcy Salon, on est capable de vous sublimer. Donc c'est le but en fait, de sublimer les femmes ou les hommes qui viennent au Marcy Salon. Voilà pour la présentation. Ce que Marceline ne vous dit pas, parce que je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement modeste, c'est qu'elle est vraiment douée dans son domaine. Soin de la peau, franchement vous venez ici, vous sentez tout de suite la différence. Puis c'est quelqu'un qui est très professionnel dans le sens que si vous voulez faire un peeling, si c'est pas la saison, elle va vous dire non. Elle va refuser votre argent, même si c'est quand même. Ouais, c'est vrai. C'est quand même une grosse somme, ouais. Elle va vous dire non parce que tout simplement elle connaît les aléas. Après, avec le soleil, si vous faites ça en été, je crois que c'est ça en été, c'est contre-indiqué. Ouais. Voilà. Elle a une éthique. Dans ce domaine qui, qui,
qui l'oblige en gros à vous dire franchement non. Voilà, et c'est appréciable parce qu'on ne trouve pas ça partout. Et je tenais à le souligner. Ok, voilà, merci Anastasie. C'est vrai qu'ici, en fait, au Marcy Salon, on a une éthique vis-à-vis des clientes. En fait, le but, c'est pas forcément de prendre votre argent. Le but, c'est de pouvoir vous conseiller, de faire des diagnostics capillaires, des diagnostics de peau. Et ensuite, vous conseiller la prestation, enfin le soin adéquat. Et une fois que c'est fait, le but aussi, c'est que vous soyez satisfait derrière. C'est pas juste, en fait, que vous payez une prestation et qu'on ne vous voit plus. Le but, c'est de dire, notre objectif à nous, c'est de vous fidéliser et de vous prodiguer les meilleurs conseils, les meilleures astuces possibles. Comme Anastasie, je vois avec ses clientes, elle leur demande, en fait, de faire des bains d'huile. Même moi, je n'en faisais pas. Je m'y suis mise à faire des bains d'huile, à les garder toute la nuit sur ma tête, ce que j'ai jamais fait de toute ma vie. Et les résultats sont là, ils sont probants. Et donc on a vraiment cette éthique-là et cet accompagnement de nos clientes, de ne pas vous laisser comme ça une fois que la prestation est faite. Donc nos clientes qui viennent depuis des années, ça fait 3 ans qu'on est là, peuvent en témoigner. On est vraiment à l'écoute. On a une éthique, on est professionnel, on est passionné aussi. La passion, l'éthique et l'écoute de la clientèle. Donc ce sont nos valeurs ici au Marcy Salon. Je voulais aussi vous parler de ce quartier, Château d'Eau, parce que c'est vraiment un quartier pour moi qui me tient à cœur. Pourtant, je ne vis pas dans ce quartier, mais j'ai vu l'évolution de ce quartier depuis 3 ans. C'est un quartier qui est dynamique, c'est un quartier où on a beaucoup de restaurants, beaucoup de bars, il y a beaucoup de jeunes, les gens sortent beaucoup. Donc je sais que nous, je parle en fait à des femmes et des hommes noirs, surtout les femmes noires, on a des a priori par rapport à ce quartier. Mais je vous invite en fait à oublier un peu le boulevard de Strasbourg où effectivement vous avez des gens des fois qui vous gênent un peu, qui vous embêtent. Vous avez des salons des fois qui ne sont pas très propres. Moi je vous invite à découvrir l'autre partie de Château d'Eau parce qu'aujourd'hui il commence à avoir d'autres salons, mais il faut juste en fait sortir du boulevard de Strasbourg. Vous allez voir dans des rues perpendiculaires, des rues parallèles également, vous allez pouvoir voir des nouveaux salons, des nouveaux restaurants, des nouveaux bars, des nouveaux concepts. Vous avez énormément de choses, voire même des boutiques de vêtements. Donc c'est vraiment un quartier qui se développe de plus en plus. Et vous avez même des restaurants gastronomiques ici à Sport. Donc c'est un quartier qui est très bien desservi. Okay. En gros, on vous invite à venir découvrir ce quartier plein de charme qui est Château d'Eau. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je voulais ajouter cette touche spéciale communauté afro, parce qu'on est en plein dedans en ce moment avec Black Home Business, Black Lives Matter, etc. D'amener votre touche personnelle à ce mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur, venez découvrir les business tenus par des femmes noires ou des hommes noirs, pour montrer qu'en fait notre voix a du poids aussi. Et c'est seulement comme ça qu'on peut arriver à changer les choses, le regard des gens sur notre communauté, tout simplement. Hein, que voilà, nous aussi, nous sommes ambitieux, nous aussi, nous avons des valeurs, nous aussi, on peut être pro. C'est excellent dans ce que nous faisons. Ouais, et que surtout que nous sommes des professionnels, mais c'est à nous de le montrer aujourd'hui et à nous aussi d'aller vers les uns et les autres et de mettre, en fait, comme disait Anastasie, de mettre en fait ce professionnalisme en avant, parce qu'on a toujours tendance à croire que le fait d'être noir, on ne sait pas faire telle ou telle chose ou on n'a pas appris telle ou telle chose, mais c'est faux. Donc que ce soit dans le marketing, parce qu'on a des gens qui nous accompagnent dans le marketing qui sont des femmes noires, entre parenthèses, des femmes de cœur, donc des femmes qui sont là pour nous chapeauter. En fait, c'est à nous aujourd'hui d'aller vers ces gens-là, d'aller vers notre communauté et d'en être fiers. Voilà. Parce que nous sommes fiers de ce que nous sommes et nous sommes fiers d'appartenir aussi à cette communauté. Voilà.
Et d'ailleurs, le déco qui est en train de se faire petit à petit, ce sera un peu plus signé, afro, salon, bien qu'on coiffe tout type de cheveux, qu'on s'occupe de tout type de peau. Mais c'est vrai aussi qu'on a notre identité, on verra, ont leur propre signature, avec leur propre poster, et la communauté n'est pas forcément représentée. Donc nous aussi, on peut créer un endroit où il y aura principalement que des photos de femmes noires, métisses, arabes, etc. Mais c'est pas pour autant qu'on va se fermer, non. En gros, sur notre communauté. Voilà. Ce sera essentiellement pour les femmes afro, parce que des salons de beauté, des instituts de beauté qui s'occupent de ce type de peau ne sont pas légion, mais c'est aussi un salon qui reçoit tout type de clientèle. Voilà. Ouais, donc en fait, oui, comme on disait, on avait posté aussi dernièrement d'été, je ne sais pas si vous avez vu, en fait, on fait une démarche vraiment pour aller un peu vers nos racines. Et moi, c'est une démarche un peu que je trouve personnelle maintenant, parce que j'ai rencontré aussi des gens, et comme disait Anoustalie, il y a ce mouvement qui fait en sorte que on se remet aussi un peu en question. Et puis même si on a travaillé pour des fois des grandes marques, que ce soit dans le luxe ou dans le métier de la coiffure, on a quand même envie de se retrouver un peu. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment mettre l'accent sur, sur les femmes noires ou les hommes noirs. Et donc c'est vrai que Marcy Salon, on fait cette démarche-là, on l'a fait petit à petit, pour montrer vraiment que quand vous arrivez ici, déjà les produits qu'on utilise, de par les produits, de par aussi la signature du salon, de montrer que par exemple moi j'ai un pantalon en wax, voilà, donc c'est vraiment maintenant quelque chose que je fais, je vais montrer, donc c'est vraiment quelque chose qu'on fait pour montrer qu'on a vraiment cette identité là dans ce salon, de montrer que nous sommes des noirs, parce que de manière générale, que ce soit l'Afrique, que ce soit les Antilles, que ce soit l'Amérique latine, peu importe d'où nous venons, que nous appartenons vraiment à cette communauté-là, et que on veut vraiment montrer qui nous sommes. Donc il y a une visibilité en fait à montrer, il y a une visibilité sur nous. En fait, les projecteurs aujourd'hui sont braqués sur nous. Donc c'est à nous maintenant de faire la différence. Par rapport aux autres, mais sans forcément, on ne parle pas de communautarisme dans le sens où on reste fermé, parce que on a toujours des amis, un mari, même la clientèle ici, elle est cosmopolite, donc on reste ouvert, mais par contre on montre vraiment notre identité, montrer qui nous sommes et nos valeurs, d'accord, nos valeurs qui nous sont chères. Et vraiment, je pense que pour beaucoup de femmes aujourd'hui, c'est un combat parce que on est toujours sous-représenté. Donc nous, on essaie justement d'apporter cette visibilité-là. Ça va être le gentil mot de la fin, mais je vais vous mettre à la suite les images des prestations que l'on fait. Je vous filmerai aussi le quartier, comme ça vous pouvez aussi le découvrir en vidéo, en image, et qui sait, peut-être l'adopter finalement. Voilà. Je pense que vous l'adopterez, ce quartier, parce qu'en le découvrant, vous l'apprécierez vraiment. Okay. Donc profitez bien de tout ce qu'on va vous montrer, et puis à la prochaine fois, Merlover. Au revoir. Thank you.